ça veut dire éducation morale. C'est pas seulement Timon à l'école, là, l'examen qui bon. Il y a pas de Timon qui bon, qui va bon, dans l'examen. Et ça, c'est bon, qui a venu. En plus de qui a venu, qui niveau réel faut l'éducation fonctionnelle. Dans une discussion ici, tout le monde dit bon, qui est-ce qui est bourgeois, qui est-ce qui est classe moyenne, par contre, qu'il y a une unité. Chaque monde mettait peut-être que dans la classe ouvre. Mais la meilleure avant ça, classe là, il faut être défini par situation économique ou au niveau de la société, capacité pour faire face à besoin selon niveau revenu et dans l'éducation en tout. Aspect fonctionnel là, si on dit qu'on fait 5 ans à l'école, il faut qu'on ait un niveau. Il faut qu'on voit le niveau dans la société, il y a 10 ans. Il faut que le niveau dans la société a plus parce que ça fait 5 ans, ça fait 15 ans même. Nous sommes chanceux qui, grâce à temps passé à l'école là, on va l'utiliser la société à plus que l'autre sac qui fait moins de temps. Mais quel que soit le niveau de temps où on fait l'école là, il faudrait dire que lorsqu'on fait l'école là, on gagne un niveau qui permet d'utiliser la société. Parce que l'éducation, c'est pour quoi faire. C'est pas seulement pour avoir un papier. C'est pour capable d'utiliser tout, d'utiliser la famille et d'utiliser le pays. Moi, je fais ce rencontre avec une personnalité étrangère, congressman Maxime Walters, et qui a abordé la question de l'éducation, qui dit, nous connaissons un congressman très critique. Il a constaté qu'il y a plus d'efforts qui fait dans le domaine de l'éducation. Mais t'as profité à adresser mon petit reproche. Il est possible ONG trop impliqué dans le système d'éducation en Haïti. On dit d'accord. ONG trop impliqué. Ça va aller dire nous allons couper fâché avec le système. On dit à les Nations Unies, mais l'éducation pour tous, parce que c'est une interconnexion sur la planète. Là. L'on éduque ou pas éduquer seulement le pays, même si on observe le pays, sous ces docteurs, c'est docteur pour l'humanité, ou c'est ingénieur avec tout partout. Mais, même Jean, c'est pas l'un qui est responsable, premier responsable de l'éducation publique, c'est l'État qui est responsable de l'éducation citoyenne. Et même si ça n'a pas d'impact là, il faut nous mettre dans la tête. Nous, que je dis à la point d'engagement, en plus de 7 points, il y a l'autre point d'obligation associé. Question. Souveraineté et éducation, ils sont aspects fondamentaux. Question éducation fonctionnelle, là, petit monde dans le monde, ils sont l'autre aspect fondamental. Question licence, niveau licence. Donc on a conduit machine, il y a licence pour conduire. Autocyclette, une licence pour conduire des machines, bois, l'eau, etc. Prenez une éducation. N'importe qui monde va camper pour l'improviser peut-être l'éducateur, mais bon, un petit monde qui soit formant sur le ministère pour une décision, il faut renforcer la décision, ça. Quel que soit mon cas éduqué, il faut une licence qui a habilité le faire pour exercer la médecine, pour une licence que vous avez pour éducateur, pour l'éducateur, la gagner pour la gagner un petit monde. Il faut reconnaître comme tel. Et ce n'est pas parce que seulement mon diplôme qui soutient l'école normale, ou bien on a mon diplôme dans l'école normale, mais on n'a pas de qualité professionnelle. Il faut le dire que le ministère assure que mon cap enseigne le niveau fondamental, là, il y a une capacité pour le faire. Et même s'il n'a pas de chance de passer dans l'école normale, mais sur le tas, dans la pratique, il est capable, bon, j'en prie, évaluer pour assurer vraiment. Ils sont acteurs essentiels qui ont fait travailler là correctement. Alors, signer le pacte, c'est une chose. Mais nous adapter pour un meilleur système d'éducation qui répond à l'aspiration de notre peuple, c'est un engagement de tous les jours. Et en ce sens, nous pensons que il y a deux décisions majeures que le pacte ça propose. Ces questions pour nous passer. De part du budget qui est consacré à l'éducation, de 17% qui n'ont budget ça, je veux dire, à 35%. Et là, son consensus pour lié, parce que très bientôt, on va avoir notre gouvernement, on va avoir un parlementaire, il faut que son engagement de la société, ou mon engagement vient d'accord, un engagement de la société, un engagement non partisan,
même si je dis à ce gouvernement ça qui dit, si elle ne va pas initier, peut-être non, en février, nous va prendre. Mais le pays est toujours là. Deux engagements majeurs, 35% du budget, pas budget à l'État. Budget qui a fini, on a consacré 35% dans l'enveloppe budget de pays pour l'éducation. Et qui est éducation? Éducation fonctionnelle. Deuxième engagement majeur, c'est consacré 8% de PIB, le produit intérieur brut, là, à l'éducation. Je dis à 4%. Ça veut dire qu'on a doublé. Dans les deux cas, on a doublé. On a passé de 17% à 35% dans le budget et dans le PIB, on a passé de 4% à 8%. Et dans la question de l'éducation de qualité, il y a bien 6 mois à l'éducation de qualité, c'est effectivement là. Son bel malade. On va dire que toute l'école dans le pays a même gens, mais il faut un modèle au minimum de conditions de confort pour les gens gagnent pour l'éduquer et pour le bon rôle dans la société. Son date historique, son moment que Haïti a tant de besoin, son bail de faire je l'entends ça. Les ancêtres n'ont pas besoin de terre, de 80. Un petit merci à tout acteur honnête, que ce soit le premier ministre, le jeune et dynamique ministre de l'Éducation, tous les anciens ministres, anciens secrétaires d'État, le NAP, les professeurs, les enseignants, les religieux, la société civile. Merci pour Haïti, merci pour l'avenir, merci pour la jeunesse. Hier, je lisais sur le net un journal américain qui font offre d'emploi. Ils ont dit qu'ils ont besoin de monde pour faire tel travail, job la bien payé. Mais Haïtien n'a pas besoin d'appliquer, voilà Haïtien. Donc, journal américain. Il a cherché un monde pour travail, seul monde qui a besoin, c'est Haïtien. Je suis campé là, maintenant, un Haïtien qui a parlé, il fait le compliment. Jean-Marie. Fait le compliment pour les gens avec exprimé et profondeur, valeur ça l'a dit. Alors, on pense que si c'est monsieur qui a parlé, un job là, même le monsieur fond, il est Haïtien. Je dois une bonne. Dans le secteur privé, qui représente une classe qui a mené les livres de l'Haïtien. Je dis qu'il n'y a pas besoin d'Haïtien. Je suppose que nous avons oublié ça. C'est parce que souvent, Haïtien pense que c'est intelligent. Mais intelligent, ça va à l'école. Il vient tout route pour le river. Je pense que si on est intelligent, on est intelligent. On pense que le système éducatif, la jeune affaire là. C'est là qu'on a intelligent. L'OCA a écarté nous. Parce que ce n'est pas un job là, ça ne va pas besoin. Au niveau de CARICOM, tout pays CARICOM le signe pour libre déplacement des gens. Ce qui veut dire que Haïtien est noir en Jamaïque sans bailler visa. Jamaïque qui a venu ici sans bailler visa. Haïtien qui a Antigua sans bailler visa. D'après ça, nous signons. Et tout le monde respecte la région. Je ne suis pas d'accord pour Haïtien. Ici, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord pour Haïtien. Et bien, nous-mêmes, nous pensons que c'est intelligent. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sous-territoire. Donc, ça n'a pas là. Qui n'en a plus besoin de dormir? Je veux dire qu'il y a son gros jour. Et je savais tout le monde qui est impliqué d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est au route là. Route éducation, c'est au route là. Route formation. Route pour nous plein d'aide haïtiens avec des outils qui ont confronté la vie. Mais qui parle l'école là, c'est des biens intelligents. Tout est intelligent pour ça, il n'y a pas de l'arrière. On tape dans le centre de recherche. On tape la NASA.
y a espace pour mon diable de Dieu. Donc, il est important pour nous comprendre que route ça, c'est bon route là. Nous souhaitons que la 50e législature là, ils comprennent l'effort que l'équipe ça a fait, le monde qui l'a eu. C'est que vous comprenez que vous avez avancé le plus vite possible dans la voter loi FNE. Ce n'est pas de cap de ministre, ce n'est pas de ministre Maniga qui ça, c'est de petit pays. C'est de petit malheureux à malheureuse qui part à l'école. C'est joint un fonds pour renforcer le système. Il s'agit des enseignants. Enseignants dans la rue à manifester, nous avons un champ que nous proposer pour nous payer le pas passer. Pour qu'ils aient fait politique. On a fait politique là, où ils vont aux États-Unis, au Babel World. Politique ou pas le chef ou pas rien, c'est là l'antithèse à seulement qu'a fait des sans faire. Parce que je dis, haïtien, on va comprendre, il faut nous tourner la baisse, il faut nous baisser. Parce que pour l'époque, nous pensons que haïtien, qui va nous prendre la parole, l'Émile Saint-Loup, qui va nous prendre la parole. Haïtien, c'est mon fier. Il faut dire à Jean-Louis, un haïtien, il n'y a pas même de chance pour entrer pour le parler même. Parce que tout le monde a appliqué pour le travail. Le tout dit qu'il n'y a pas de déplacement dans même. Tout l'autre pays accepte. Il faut nous rendre Équateur hommage. Équateur lui-même dit que haïtien qui a entré, qui a circulé librement. Pour saluer l'Équateur. Mais après, ça reste à voilà, nous avons un effort pour nous faire. Parce que ce n'est pas tout pour nous faire. On avance. Il faut qu'on travaille pour nous joindre. Et nous passer encore aujourd'hui à nous faire coup de maître. Ça veut tout le monde qui est impliqué. Tout le monde. C'est ma père qui a parlé de président Matéli qui parlait d'éducation, qui parlait de ministre Maniga qui fait les dynamiques. Parce que si tout le monde va décider de jouer arriver, à faire Matéli et Maniga va avoir un. C'est nous-mêmes qui faisons. C'est nous-mêmes qui faisons. Et ça a son commencement, nous avons pile l'autre bain qu'on fait. Donc nous félicitons au nom de jeunesse qui besoin ça nous fait pour dire. Nous félicitons au nom de passé, au nom de Haïti, de la Rivière.